T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, cet immeuble va nous conduire à tes débuts. Fous de moi, là. Putain. Il y avait un cousin qui avait le vertige. Tant mieux pour lui. Allez, viens. On va encore monter longtemps. Tout va bien se passer. Ça veut dire oui. Oui. Frimeur! C'est pas si dur que ça. Ouais, ouais. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Merde. Teddy!
T'aurais dû rester où t'étais, Lily. Oh. Il est tombé. Tu vas bien? Ouais. Je vais t'aider. C'est bon. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Wow. C'est les Scars qu'on pense à ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Waouh, c'est plutôt joli et légèrement flippant. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une seconde. Je passe devant cette fois.
Sérieusement, je suis convaincue comme ça. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis désolé pour votre fils. C'est un honneur. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fiers de lui. Nous le sommes. Merci. Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Mais je ne pense pas qu'elle soit prête. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. À droite. Ouais. Bien sûr. J'ai abattu un. Je te trouverai! Faut chier, c'est Scar. Ou Séraphine, peu importe. Ouais, faut chier. J'ai jamais entendu un Séraphine parler comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, on va où maintenant? Attends, laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. C'est un monte charge? Ouais. Faut que tu baisses la porte. Merde. Je peux te donner un conseil? Oh, c'est pas vrai. Essaie juste de penser au bon côté de ta peur. Bon côté? Ouais, bah, tu cours plus vite. T'es plus concentré. Putain de merde. Tu ressens moins la douleur.
Toutes ces sensations, les mains moites, le cœur qui s'accélère, tout ça montre en fait que tu deviens plus forte. Donc, quand t'as peur, dis-toi plutôt que ton corps est en train de se mettre en condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Tu tiens ça de la prophétesse ? Ouais. Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ben voyons. Donc, tu continues à aimer ta prophétesse alors que ses adeptes essaient de te tuer en son nom ? Elle aurait jamais voulu ça. Il n'y a aucune violence dans ses écrits. Tu devrais dire ça à tes potes. C'est seulement après sa mort que les lapidations et les fondaisons ont commencé. Il faut que déformer ses paroles. T'as qu'à lire ses écrits. Ok. Souffle par ici. Attends, c'est quoi ce truc? C'est la passerelle. Lève. Suis-moi. Putain. On y va doucement. Je sais pas si je vais y arriver. C'est plus facile que ça en a l'air. Souvent par là ? Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Évite juste de regarder en bas. Bordel. Comment tu te sens ? Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Quoi ? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen ? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment ? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance ! Allez, viens! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. Oh, putain, lève! Tout va bien se passer. Regarde-moi. Putain.
est presque. Oh, putain. Tiens, regarde, on peut voir l'hôpital maintenant. Oh, putain. Oh, putain. Concentre-toi sur moi. J'y arriverai pas, Lev. Tu es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est bon. Par où, maintenant? Je sais pas. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. S'il y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'hôpital. Mmh.
cadavre. C'est l'un des tiens ? Non. Regarde les vêtements. Tiens. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Lev, il y a désinfecté dans ce bâtiment ? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Sport. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances ? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincée ici. Et pour que je m'en sorte alors.